Olivier Pahu, bonjour. Bonjour Joël. Vous êtes candidat au Conseil d'État, évidemment. Vous avez derrière vous déjà plusieurs candidatures hein, sur Vaud, sur Genève aussi, pour différentes fonctions politiques. Vous avez 49 ans, vous êtes expert en estimation immobilière, ça on dit comme ça? C'est un brevet fédéral d'expert en estimation immobilière, exactement. Et vous êtes ancien magicien également, c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous avez votre casse-tête devant vous, on ne va pas trop en parler parce que déjà ça m'énerve, parce que j'arrive plus à le faire. À l'époque... pour vous présenter un petit peu, qu'est-ce qui vous fascinait dans l'exercice de la magie que vous avez exercé pendant longtemps hein, quand même? L'humain. Vraiment, c'est l'humain, c'est la passion de l'humain, dans l'immobilier aussi, hein, c'est la passion de l'humain. C'est l'humain qui nous relie aujourd'hui, c'est l'humain aussi qui est au cœur de la politique, je dirais. Et puis c'est la vie aussi, avec un grand V. C'est le petit pétillement dans les yeux des personnes aussi quand vous faites des tours? Oui, c'est l'humain dans son sens large, parce qu'en tant que magicien, on est avec les enfants, on est avec les personnes âgées, on est avec les pauvres, avec les riches, on travaille pour des banques, on travaille pour des associations, pour Nez Rouge, pour tout ce genre de personnages. Et dans l'immobilier aussi, le matin, vous voyez une personne propriétaire immobilière qui veut un meilleur rendement, et puis l'après-midi, vous voyez quelqu'un qui va être mis à la porte, qui a l'assistance sociale, qui a des difficultés. Donc c'est vraiment l'humain dans son sens large, et c'est ça que j'aime. C'est aussi la proximité de cet humain, c'est vraiment d'être proche des gens, et c'est ça qui me plaît vraiment. Ah, vous me dites que c'est une association un peu maladroite, mais est-ce qu'il y a une dimension magique un petit peu dans l'exercice de la politique, dans le côté charismatique, le côté tout d'un coup des gens vous suivent et on ne sait pas vraiment comment ça marche, tout d'un coup une personne est élue. Alors la magie, on peut la faire tout seul, hein. Je peux vous faire un tour de cartes, des tours de scène. Aujourd'hui, j'ai arrêté la magie pour me tourner vers les miracles. Les miracles, c'est ensemble qu'on les fait. Et c'est pour ça aussi cette candidature, ces candidatures même, puisque je suis aussi candidat au Grand Conseil sur le district de Nyon, ces candidatures sont là vraiment pour qu'on puisse ensemble faire un miracle. Et si on veut un miracle, il faut lui donner sa chance. Pourquoi vous présentez à plusieurs reprises si finalement vous-même, vous ne croyez pas forcément aux institutions politiques? En tout cas, vous êtes très critique hein, vis-à-vis d'elles. C'est pas parce qu'on est critique qu'on n'y croit pas. Aujourd'hui, je pense qu'on est à un tournant de notre civilisation. Aujourd'hui, la politique est toujours utilisée comme le siècle passé, si j'ose dire, hein, même le millénaire passé, que dis-je. Hein. Et donc, on a une génération un peu de boomers qui est aujourd'hui aux commandes. Et puis, on a une jeune génération qui se sent plus concernée. Aujourd'hui, moi, ce qui me concerne vraiment, c'est cette majorité de gens qui ne va pas voter. Cette majorité de gens qui a finalement démissionné de même simplement le fait d'aller aux urnes. Et c'est ça qui me concerne vraiment. C'est cette population-là qui me concerne avant tout. Ces gens qui ne croient plus en la politique. Moi-même, je n'ai jamais voté de ma vie. Donc, je suis de ces gens-là. Hein. Et donc, j'ai pas peur de l'avouer. Même pas pour vous-même? Pour moi-même, oui, bien sûr. Maintenant que je suis en politique, je suis obligé d'aller voter. Il y a des sujets, c'est sûr, des votations dans lesquelles je me suis mobilisé, j'ai été voté aussi. Mais c'est finalement une petite goutte d'eau qui allait toujours à contresens de la majorité. Donc c'est très décevant quand même, la politique, c'est beaucoup d'ingratitude. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces candidatures, c'est très ingrat comme démarche, mais c'est une démarche nécessaire parce qu'on est vraiment à un tournant de notre civilisation. Je crois qu'on n'imagine pas ce qui nous attend devant. On a un trésor ici en Romandie, on a un trésor ici dans le canton de Vaud, et on n'imagine pas ce qui peut nous attendre, ce qu'on peut en faire, et c'est dommage de gaspiller ce trésor, c'est dommage de ne pas utiliser toutes ces ressources qu'on a ici, que ce soit des ressources territoriales, que ce soit des ressources intellectuelles. On a vraiment des cerveaux qui sont là, qui partent aussi, hein, qui sont des fois formés en Suisse et qui partent à l'étranger. Ces ressources-là, il faut les garder, il faut les faire revenir, il faut les faire fructifier, et tout ça, c'est là. Le canton de Vaud, c'est un canton qui est fantastique, on a beaucoup, un canton quand même très agraire, avec beaucoup de petits agriculteurs, des gens qui ont envie vraiment, qui sont des bosseurs, qui sont des travailleurs, et qui ont envie de voir de l'avant, qui ont envie de reconstruire cet espoir, et c'est vraiment pour ça que je me présente aujourd'hui. On va aller un petit peu dans le détail de vos idées. Je vais vous poser d'abord la question qu'on pose à tous les candidates et candidats. Vous accédez au Conseil d'État, vous avez carte blanche, baguette magique, en l'occurrence, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous changeriez directement si vous aviez vraiment les coudées franches? Alors aujourd'hui, c'est l'intelligence collective, je pense. La première chose que je mettrais en place, c'est vraiment de remettre le citoyen au cœur de la politique. L'État n'est qu'au service du citoyen. Le citoyen est quand même souverain dans ce canton. Et c'est vraiment au travers de l'intelligence collective, cette intelligence collective qui aujourd'hui est mûre aussi. Mûre à être placée en politique, parce que c'est quelque chose qui marche très bien avec Internet notamment, et qui a 20 ans maintenant derrière soi. On a vraiment de l'expérience avec cet outil. Et c'est vraiment ça que je mettrai en place en premier. Après, j'ai beaucoup de priorités. Bien sûr, l'habitat léger, ça j'en parlerai aussi peut-être tout à l'heure. Vous pourrez aussi le suivre justement sur votre podcast, sur votre site, où il y aura l'entier de l'interview. Là, on a juste un petit bout, mais c'est une petite lumière que je donne à l'intérieur. Et c'est vraiment, si vous voulez, aujourd'hui, de créer des trous blancs. C'est troublant, hein, ce que je dis. Vous savez, les trous noirs, c'est ce qui aspire tout. Et les trous blancs, en fait, c'est ce qui rayonne. C'est ce qui rayonne vraiment. Et le canton de Vaud peut vraiment être un trou blanc en Romandie, en Suisse et après dans le monde.
Vous êtes troublant un petit peu avec votre Alliance des Libertés. Qu'est-ce qui se cache, pardon pour l'expression, hein, qu'est-ce que ça représente en fait ce mouvement Alliance des Libertés, cette liste de 3 candidats quand même, vous venez avec du monde, hein, on va dire, notamment du côté de la région de la Riviera, du Pays d'Ons qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on trouve derrière cette appellation, tout simplement, pour commencer? Alors c'est sûr, c'est une alliance qui s'est formée pour ces élections-là. C'est une belle alliance. Je pense que c'est vraiment une alliance citoyenne avant tout. Moi, j'aurais voulu appeler ça alliance citoyenne vraiment. Alliance des libertés, ça me va aussi. Hein. Je pense que c'est vraiment des gens qui se sont réveillés, qui ont compris l'importance de la politique. Et aujourd'hui, j'ai une certaine fierté, c'est d'avoir pu sensibiliser et motiver une jeune qui a 27 ans, qui se présente aussi au Grand Conseil sur la liste de Romanel, ce ferro, le sous-arrondissement de Romanel, qui est Carla Osterheld, et qui se présente sous Évolution Suisse, mais qui a compris tout à coup l'importance d'aller se battre au bon endroit. Vous êtes le parti, le mouvement issu de la crise sanitaire, on peut dire ça aussi? Non, Évolution Suisse date bien avant, mon engagement politique date Alliance bien avant. Alliance des Libertés, oui. Alliance des Libertés, je pense que, vous savez, la crise sanitaire est uniquement un révélateur d'un cancer plus profond, si j'ose dire. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous sommes à un tournant de notre civilisation. Il y a d'énormes changements qui sont en train de se mettre en place. Et vraiment, moi, je ne veux pas changer le monde, je ne veux pas sauver le monde, je veux vraiment le sublimer. Et je pense que cette alliance, eh bien, c'est une jeune alliance. C'est des gens qui sont peut-être, qui n'ont pas toute l'expérience des grands partis, mais qui sont très motivés, qui sont très engagés et qui voient clair sur la vision d'un avenir qui est radieux, qui est vraiment l'avenir qui nous attend, un avenir citoyen. Du point de vue de la santé, que ce soit Évolution Suisse ou Alliance des Libertés, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour mieux gérer une crise sanitaire de l'ampleur de celle qu'on vient de vivre ces 2 dernières années? Alors on a vécu une dictature médicale finalement, hein, si j'ose utiliser ce terme, c'est-à-dire qu'on est allé au tout médical. On a parlé de morts, après d'hospitalisation, après de cas, après de cas positifs, enfin voilà. On est parti dans quelque chose d'un petit peu presque absurde à un moment. Hein, et aujourd'hui, on a pensé uniquement via le biais médical. On a par exemple à Lausanne, au CHUV, un centre de médecine intégrative qui n'a pas du tout été utilisé. C'est des ressources qui ont été vraiment laissées de côté. On a énormément, on a une richesse de thérapeutes ici en Suisse romande qui est grandiose, qui n'a pas été utilisée. On a des remèdes de grand-mère qui sont très efficaces pour ce genre de maladie qui n'ont pas été utilisés. Donc aujourd'hui, si on parle santé, c'est sûr qu'on parle coût. Déjà, on voit ces coûts qui n'arrêtent pas d'augmenter, aussi bien que les loyers. Hein. Ça, c'est un véritable problème de la population. Mais on a aussi des solutions. Ces solutions, elles sont toujours à portée de main. Ce trésor, il est à portée de main. Et c'est vraiment à nous de le faire fructifier. Et c'est pour ça que je me présente. Mais est-ce que vous êtes prêt à mettre la main à la pâte dans le système médical en disant, voilà, on a peut-être un problème de lit au niveau des soins intensifs, on a peut-être un problème de recrutement au niveau du personnel médical, enfin... Bref, ces questions finalement dont on discute dans les sphères habituelles, voilà, des milieux politiques. Mais je suis prêt à mettre la main à la pâte à tout. Hein. Je suis vraiment ici pour me retrousser les manches. C'est très ingrat comme chose parce qu'il y a énormément de force en présence. Mais je veux dire, bien sûr, que je suis là pour mettre la main à la pâte. Je suis là aussi pour aller voir ce qui se passe vraiment, pour aussi imposer un peu la transparence, de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai beaucoup de relais, j'ai des médecins, j'ai des gens qui travaillent dans les hôpitaux. Et je sais aussi par derrière ce qui se passe, qu'ils n'ont pas le droit de dire publiquement, mais ce qui se passe vraiment au quotidien. Et je crois qu'aujourd'hui... C'est une opportunité, cette crise est une opportunité et c'est un révélateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de quelque chose qui est plus grand, qui ne demande qu'à être révélé justement. J'aimerais évoquer le climat un peu. Dans les mouvements politiques qui sont un petit peu à l'extérieur des partis politiques et des élus, etc. On a évidemment les jeunes qui descendent beaucoup dans la rue, les personnes qui font des actions, parfois qui... flirte avec l'illégalité par rapport au système judiciaire, la fameuse désobéissance civile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces jeunes qui vont flirter avec l'illégalité pour faire valoir leurs idées, pour Alors, protéger le climat? Que les Suisses soient dans la rue, déjà, c'est extraordinaire. C'est presque déjà un miracle. Hein. Ce que j'incite les jeunes maintenant, c'est pas forcément à descendre que dans la rue, c'est à monter au château. Voilà, c'est vraiment à se présenter, c'est à prendre leurs responsabilités. On a l'article 6 de la Constitution qui dit toute personne est responsable d'elle-même et doit contribuer selon ses forces à l'accomplissement des activités de l'État et de la société. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a tous une responsabilité. Cette responsabilité, elle est un peu commune et c'est ensemble qu'on peut faire vraiment des grandes choses. Et vraiment, j'appelle tous ces gens
à continuer à descendre dans la rue, à se faire entendre. Mais la problématique que j'ai constatée, parce que j'ai été sur toutes ces manifestations, j'ai suivi, hein, j'ai aussi une carte de presse, donc j'ai été filmé tout ça, je peux documenter tout ça, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y avait jamais un seul politicien. Il n'y a pas vraiment... La politique a été complètement déconnectée de ce phénomène-là. Ça manque de communication entre la rue et la politique. C'est carrément un déni, presque. Hein. C'est carrément un déni. Et aujourd'hui, il n'y a pas de vrai canal pour ces gens-là pour s'exprimer. Ils peuvent hurler, mais les murs du château sont tellement épais qu'on n'entend rien. Et tant mieux, parce que sinon, ils s'écrouleraient. Des propositions concrètes par rapport au climat. On parle beaucoup d'énergie renouvelable, panneaux solaires, etc. Est-ce que vous avez quelque chose dans votre escarcelle qui permettrait de... Alors bien sûr, on peut parler de haute technologie. Moi, je parle surtout de basse technologie, de recyclage. Je veux dire, aujourd'hui, pour produire un kilo de métal, c'est une tonne de déchets en général. Donc, quand on recycle le métal, on économise une tonne de déchets finalement. Vous recyclez un kilo, vous économisez. Je parle aussi des décroissants volontaires. Il y a énormément de gens qui veulent être actifs au quotidien, dans leur petite vie, pour être décroissants. Mais aujourd'hui, sur le canton de Vaud, ça n'est pas possible. Hein. On a fait par exemple, ici, on a une petite brochure que vous verrez peut-être sur le site, mais vous entendrez pas à la radio, qui s'appelle « Habiter différemment », qu'on a monté avec les plus grands urbanistes de Romandie, que je vais pas citer ici, mais que vous verrez. Voilà. Avec des tiny houses en fait, hein, c'est un peu tendance aussi. Hein. Alors, si vous voulez, l'idée aujourd'hui, c'est pas seulement les tiny houses, c'est pas seulement les yurts, c'est pas seulement ces habitats alternatifs, c'est vraiment de se donner la possibilité d'expérimenter. On a le territoire pour le faire, on a la place pour le faire, et je pense qu'aujourd'hui, on doit expérimenter. Il y a les carters aussi, il y a beaucoup de choses alternatives qui se mettent en place, mais qu'on ne peut pas expérimenter pour des raisons législatives. Et je propose, par exemple, des autorisations de construire à durée déterminée. Voyons, on dit, ok, on fait ça pour 20 ans, puis dans 20 ans, on verra ce qu'on en fait. Et ça permet vraiment d'avancer. Il faut des zones expérimentales, il faut des zones où on peut essayer, on peut oser. Le Grand Conseil a quand même décrété l'urgence climatique, mais dans les faits, comment ça se traduit? Je suis là pour traduire ça dans les faits, dans le concret, aujourd'hui. Il y a une explosion démographique dans le canton aussi, avec des gens évidemment qui viennent étudier, et puis des gens qui migrent, etc. Donc cette augmentation de la population peut être positive pour certains, mais finalement, je m'adresse encore à votre programme directement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça finalement? Est-ce qu'il faut augmenter les prestations sociales? Est-ce qu'il faut, comme c'est le train aussi dans le canton, augmenter les transports, la facilitation des transports, etc. Qu'est-ce que finalement vous pouvez proposer? Alors déjà, c'est une richesse, tous ces gens qui viennent, tous ces mélanges. Hein. Moi qui suis né à Genève, qui était apprenti sur Lausanne, c'est vrai que tout ça, c'est une richesse. Et je pense que cette richesse, il faut savoir l'exploiter. Après, niveau mobilité, niveau consommation d'énergie ou ce genre de choses, chaque kilowatt qui n'est pas dépensé, c'est un kilowatt qui est facile à économiser. Vous voyez, c'est les plus faciles à économiser. Donc quand on parle de mobilité, comment est-ce qu'on peut réduire les besoins de mobilité finalement? Et c'est justement en créant, si vous voulez, on a un site prototype depuis 12 ans maintenant, on a un site prototype, moi j'appelle ça un écolieu semi-communautaire. Et c'est vrai qu'on met les gens en réseau, on met les choses en réseau, et ça permet vraiment de diminuer finalement les besoins de mobilité, de diminuer les besoins aussi de véhicules. Tous ces besoins-là sont limités, et il y a vraiment des solutions qui sont simples à appliquer pour pouvoir répondre à ce genre de problématiques. J'ajoute encore une dernière perche. Alors, vous avez vécu entre les cantons de Genève et de Vaud. Ils doivent être un peu main dans la main, bras dessous. Il faudrait arrêter les guéguerres un peu, selon vous. Écoutez, la Romandie, c'est un message d'amour un peu que vous, que vous lancez. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut rentrer justement dans cette nouvelle société qui est le grand nous. Vous voyez, la politique est une arme de division massive, les cantons sont aussi une arme de division massive, et je pense que, voilà, aujourd'hui les jeunes, les personnes âgées non plus, ne se reconnaissent pas dans tout ça, et si vous voulez, il faut aller plus loin, il faut penser plus grand, il faut penser vraiment à ce nouveau millénaire qui est devant nous encore, hein, et puis qui a tout à nous apporter, et on a tout pour bien faire ici en Romandie. La Romandie est une véritable richesse qu'il peut partager ensuite avec la Suisse alémanique. J'ai passé 20 ans à Genève, 20 ans sur Vaud, donc je suis parfaitement bicantonal. J'ai renoncé à l'une de mes cantonalités, hein, si vous voulez. Mais mes plus belles années, ça reste dans le canton, en Suisse allemande, juste à côté d'Appenzell, dans le pays bossu. Et c'était vraiment des belles années parce que là-bas, c'est tout un esprit aussi. Et c'est ça vraiment la Suisse, cette diversité. Et je pense qu'il faut qu'on conserve cette diversité, qu'on revienne vraiment à plus de souveraineté des cantons, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une confédération, c'est une fédération de cantons. On est bien d'accord avec ça depuis 1848, et aujourd'hui on doit retrouver notre souveraineté, notre identité à chacun, mais vraiment vivre cette diversité pleinement dans ce grand nous, dans ce... voilà. Merci beaucoup Olivier Pahut, bonne chance pour la suite et bonne chance. Merci. À nous pour refaire votre casse-tête parce que c'est pas encore gagné. Merci Joël.